derrière toi. Ah, ils m'ont eu, je suis blessé, viens m'aider, viens me soigner, vas-y. Raiden ? C'est quoi ça ? Ton bulletin indique que tu as eu un C en maths. Attends, tu m'expliques ce que ton ami fait ici ? Oh, on fait que jouer à des jeux vidéo. Bonjour, Madame Baker. Raiden, j'ai besoin de te parler seul à seul. Maintenant. Tu pensais à quoi en l'amenant ici, tu m'expliques ? Je t'ai déjà dit de ne pas traîner avec des enfants comme lui. Ce ne sont que des problèmes. Qu'est-ce que tu veux dire ? Martin est mon ami. J'en ai rien à faire. Tout ce que je vois, c'est qu'il a une mauvaise influence sur toi. Regarde à quel point tes notes ont baissé depuis que tu as commencé à traîner avec lui. C'est normal ? Mais c'est pas sa faute. Martin est l'un des élèves les plus intelligents de notre école. Tu sais, tu ne devrais vraiment pas juger quelqu'un avant de le connaître. Oui, en effet. Il ne va probablement même pas à l'école. On sait comment sont ces gens, mon chéri. Je ne veux plus que tu traînes avec lui après ça. C'est bien compris ? On a presque gagné. C'était génial. Au fait, maman, tu penses que je peux avoir un ordinateur portable pour mon anniversaire ? Ça m'aiderait vraiment pour l'école. On verra plus tard. C'était bon. Oh, ouais, tu peux en reprendre si tu veux. Merci. Tu dois avoir très faim, non ? Oh, ouais. Est-ce qu'il y a encore du lait ? Ouais, bien sûr, sers-toi. Merci. Tu as fini le lait ? J'avais l'intention de l'utiliser pour une recette. Oh, je suis vraiment désolé. Je peux le remettre si vous voulez. Non, c'est trop tard maintenant. Tes parents ne te nourrissent pas à la maison ou quoi ? Maman, ça va. Je lui ai dit qu'il pouvait en avoir plus. Je ne me casse pas le dos au travail tous les jours pour nourrir un enfant dont les parents ne travaillent probablement pas et n'ont pas les moyens de le nourrir eux-mêmes, c'est bien compris ? Maman ! Je suis vraiment désolé pour ça. Je devrais partir. Je vais envoyer un message à mon père pour qu'il vienne me chercher. Je peux aller aux toilettes rapidement ? Ouais, tu peux utiliser celle de ma chambre à l'étage. Ok, merci. Je t'ai pris la main dans le sac. Oh, c'est pas du tout ce que vous croyez. Ah non, tu essayais pas de nous voler là ? J'ai pas rêvé quand même. Non, non, je ferais jamais ça en fait, je... Sors de cette maison tout de suite, jeune homme. Mais... Tout de suite ! Et ne reviens plus jamais ici ! Mon fils n'a sûrement pas besoin d'amis comme toi. Maman, qu'est-ce qui s'est passé ? Je viens de surprendre ton ami qui essayait de nous voler. Quoi ? Mais il ne ferait jamais ça. Attends ! Attends ! Martin ! Attends ! Dis-lui la vérité, Martin. Vous voulez connaître la vérité ? Je vais vous dire la vérité. Vous voyez ? Vous dites que j'ai une mauvaise influence et que les enfants comme moi ne vont probablement même pas à l'école. Mais la vérité, c'est que... Eh bien, moi aussi, je vais à l'école tous les jours. Et j'ai toujours Déa. J'essaie même de convaincre Bryden d'étudier avec moi. Et vous, vous dites que mes parents ne me nourrissent probablement pas parce qu'ils sont pauvres et ne travaillent pas. Mais la vérité, c'est que mon père est le vice-président de l'une des plus grandes entreprises de technologie au monde. Ah, non, sérieux ? Ton père conduit une Tesla ? Et vous dites que j'étais sur le point de voler quelque chose à Bryden ? Mais
La vérité, c'est que... j'ai voulu ouvrir ce tiroir pour le surprendre. Avec ça. Attends, tu m'as acheté un ordi ? Wow, c'est exactement celui que je voulais ! Merci beaucoup, mec. T'es le meilleur ami de tous les temps. Aucun problème. Je sais que tu en avais besoin pour faire tes devoirs. Alors j'ai demandé à mon père de m'aider à l'avoir. Donc vous voyez, je ne suis pas le méchant que vous pensez que je suis. Je suis vraiment désolée de la façon dont je t'ai traité. Je me sens vraiment mal. Bryden avait raison. Je n'aurais jamais dû te juger sans apprendre à te connaître. J'avais absolument tout faux. Peux-tu, s'il te plaît, me pardonner ? Ouais, c'est bon. Honnêtement, ça m'arrive tout le temps, en fait. Je m'y suis habitué. Finalement, tu as une très bonne influence sur Bryden. Tu es le bienvenu ici. Aussi souvent que tu le souhaites. Merci. Bon, eh bien, je dois y aller. À demain à l'école, Bryden. À demain, Martin. Merci encore.